Les étudiants de la RDC n'auront pas que le système LMD à affronter, mais aussi le nouveau bus Transacadémia. Le représentant des étudiants du Congo salue cette matérialisation de la promesse du chef de l'État à travers le gouvernement Samalou Kondé. Il encourage les étudiants et professeurs à se mettre déjà en danse pour une bonne adaptation du système. Étant d'abord étudiant et aussi représentant des étudiants au niveau national, c'est pour nous un sentiment de satisfaction. Nous saluons vraiment les efforts du gouvernement congolais. Nous saluons les efforts de son excellence, monsieur le ministre Delecy, qui a promis et aujourd'hui il a lancé officiellement la rentrée académique. Nous demandons à tous les étudiants de se précipiter dans leurs universités respectives, de suivre et de prendre les choses au sérieux, d'étudier sérieusement. Sans oublier qu'aujourd'hui, nous basculons dans les systèmes LMD. Ces systèmes qui demandent beaucoup de concentration, ces systèmes qui demandent beaucoup d'efforts. Nous profitons également pour saluer les efforts du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les étudiants sont bénéficiaires du bus Transacadémia. C'est un geste louable que nous saluons, nous étudiants. Étant président national des étudiants congolais, je demande également au gouvernement congolais, à son excellence Monsieur le Président de la République, de pouvoir élargir que même nos étudiants qui sont en province qui puissent en être également bénéficiaires.